Hello, hello, bonjour, bonjour, shalom, bonsoir. Tout dépend du réseau horaire dans lequel vous nous suivez. Si vous êtes aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, en Europe ou en Asie, voilà, c'est votre émission de Val Mieux Qu'Un qui est en train de passer à cet instant avec David et Bobet Mapamboli. Nous sommes là pour passer un bon moment avec vous et nous bénissons Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de beaucoup de couples qui nous suivent. Aujourd'hui, nous voulons encore avoir un moment béni avec vous. Nous voulons parler sur un thème important qui s'intitule « Les attentes du couple ». Les attentes du couple. Donc, ce qu'un homme attend de sa femme dans le mariage ou ce que la femme attend de son homme durant le mariage. Alors, sans plus tarder, nous voulons d'abord lire un verset biblique et ensuite, avec mon épouse, nous allons voir les différentes attentes que chacun d'entre nous, nous avons dans le couple. Je voudrais, si vous avez vos Bibles, prendre à l'épître de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà, dans ma version à moi, en parole vivante, il est écrit « Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles, vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc ce texte que nous venons de faire, la lecture bien-aimée, la Bible nous parle d'un point très important. Elle invite l'homme à aimer sa femme, mais il dit surtout que l'homme doit tenir compte que sa femme, dans la version de ma femme, on dit que le sexe est plus faible. Dans ma version, on dit que la femme est plus fragile. Dans d'autres versions, on dit que la femme est plus délicate. Donc, la femme n'est pas comme l'homme. Comme si l'homme n'est pas comme la femme. Et quand vous entrez dans le mariage, l'homme s'attend à d'autres choses différemment de sa femme, comme sa femme aussi s'attend à d'autres choses. Et donc, nous voulons voir un peu certains points pour lesquels les hommes s'attendent et ce que les femmes s'attendent dans le mariage ensemble avec mon épouse. Amen. Et donc, nous avons six points que nous allons partager, que je vais pouvoir donner et que ma ravissante épouse aussi va pouvoir partager. Donc, nous voulons commencer avec le premier point. Chez nous, les points que nous allons donner déjà chez nous, nous disons que ce sont des points, ce n'est pas les points standards, ce n'est pas des points doctrinaux. C'est-à-dire que c'est des points généraux où la plupart des hommes, à 90%, 90% se retrouvent dedans. Comme aussi les points que ma femme donnera, ce sont 90% des femmes aussi se retrouvent dedans. Mais ce ne sont pas les points capitaux, ce sont des points généraux que nous donnons. Il se peut aussi que pendant que vous me suivez, il y a peut-être d'autres choses que Dieu a mis aussi dans votre couple, d'autres idées, d'autres attentes que vous pouvez vous-même développer ensemble avec votre mari. Mais nous voulons donner juste une piste qui va pouvoir aider beaucoup d'entre nous. Alors nous voulons commencer avec le premier point, les attentes. Qu'est-ce qu'un homme s'attend dans son couple? Qu'est-ce qu'une femme, quand il entre dans le mariage, quand il prend une femme ou quand il prend un homme, qu'est-ce que les partenaires s'attendent? Alors moi je peux dire, premièrement, point, c'est que l'homme, quand il entre dans le mariage, je vais te choquer, c'est, il y a un des grands points qu'il attend, surtout quand on lui met la lance au doigt. Pendant que vous vous fêtez tout ceci, la première tête qui vient dans l'homme, c'est la sexualité. Ah bon? Je t'assure, chérie. Ça, c'est aucun homme, il se marie pour se dire que non, on est seulement, tu es mon frère, tu es ma soeur, alléluia, alléluia. Non.
Ça, c'est vraiment dans la pensée des hommes, la sexualité. Et chez vous, c'est quoi? Oh, nous, chez nous, c'est la tendresse. Tiens. Oui, oui. Nous, chez nous, c'est la tendresse. Donc, comme je disais la fois passée, l'homme veut, la femme veut se sentir aimée par son mari. Et on veut aussi votre attention. La femme aime que le mari puisse être attentionné. Tu vois, nos petits trucs et tout, nous voulons vraiment que vous faites part. Par contre, vous, c'est vraiment waouh. Nous, c'est plutôt la sexualité qui vient souvent en tête, parce que quand vous remarquerez même, quand vous dans la vie active, vous verrez que la plupart des grands chefs d'État, des grandes nations, ils sont tombés toujours par ce domaine de la sexualité. On a pris une femme qui l'a fait tomber. Vous verrez aussi dans la Bible beaucoup de gens, des grands héros comme Samson, c'est à cause de la sexualité qu'il est tombé. Et même dans la vie courante, dans la vie, vous verrez que quand tu te promènes dans la rue, les panneaux publicitaires, lorsqu'on met des photos des hommes et des femmes, c'est souvent les femmes qui sont soit nues, soit à moitié nues. Et les gens passent, c'est normal, parce que dans la mentalité des hommes, ils aiment voir cela. Et les gens qui font la publicité ont compris cela pour faire vendre même un dentifrice, même une bouteille d'eau. Il faut qu'on mette une femme à moitié nue, parce que l'homme aime cela. Et quand tu vois même dans les chambres des étudiants, sous les murs, c'est toujours des photos, des femmes un peu à moitié nues. Tandis que si c'était le sens contraire, qu'aujourd'hui dans les rues, on commence à mettre des photos des hommes tout nus, ça va être un problème. Ou soit tu vas dans une chambre d'étudiants, tu vois une fille qui a des photos, des gens. On va se dire, mais cette fille-là, elle est un peu bizarre. Donc, dans la pensée de l'homme, c'est la sexualité. Mais nous, vraiment, c'est vraiment c'est prendre soin de nous, être aimé. Oui, être aimé, vous prenez soin de nous. Ouais. Donc, la proximité, être tout près de moi. Ouais. Donc, c'est ça, la femme. La femme ne pense pas directement au sexe. Donc, c'est quelque chose pour la femme, vraiment. Mm-hmm. C'est pourquoi tu verras des femmes qui restent peut-être de veuves. Vraiment jeune, mais elle reste là vraiment seule jusqu'à sa mort. Elle vieillit seule parce que la sexualité, vraiment, c'est pas ça qui est notre priorité en fait, tu vois. Donc la femme, elle peut s'en passer du sexe et tout là, mais la femme aime la tendresse, que tu me touches, tu prends soin de moi, que tu sois tout près de moi. Ce que je comprends bien, c'est que vous les femmes, c'est que des fois tu préfères que l'homme reste à tes côtés, juste vous tenir, sans même aboutir au sexe. Non. Tandis que nous, c'est quand on commence comme ça, il faut directement. La finalité là-bas. Waouh, donc c'est vraiment très important. Mais le problème c'est que ce problème de sexualité, on en souffre beaucoup parce que vous, c'est devenu aussi une arme. Comme vous savez que nous, les hommes, c'est la sexualité, les femmes utilisent beaucoup la sexualité pour punir les hommes. Tu vois, du genre que quelqu'un dit en lingala, bon oui, bima. C'est-à-dire en français, l'argent, quel argent sort. Si tu ne mets pas l'argent, je ne t'ouvrirai pas, je ne te donnerai pas la sexualité. Donc c'est devenu une manipulation que non, si tu veux me donner, pour que je donne le sexe, il faut que tu me donnes l'argent, il faut que tu m'achètes ceci, il faut que tu me fasses ceci. Et les gens viennent avec des dépressions. Tu vois quelqu'un qui va au travail, il commence à engueuler ses collègues, tout cela parce que chez lui à la maison, ça fait depuis quelques jours ou quelques mois, il est privé. C'est pas si il y a d'autres pasteurs, il vient à l'église pour prêcher des esprits de voilà. Dieu de la colère, Dieu de la colère. Dieu de la colère. Mais comment non, parce le pasteur il a été privé alors. Ouais, il a été peut-être privé de cela. Ah, donc c'est vraiment. La Bible déclare, la leçon que nous pouvons tirer déjà de notre côté à nous, c'est que pour nous les hommes, c'est que. Ce qu'on voudrait vous dire aux femmes, c'est que la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Mais si c'est d'un commun accord pour pouvoir vaguer à la prière. Donc, ça veut dire que toi, en tant que femme, tu ne dois pas inutilement, seulement pour une mésentente, priver ton mari de la sexualité, de ce qu'il a besoin. Mais c'est ça d'un commun accord que nous, tu dis, ah chérie, vraiment, tu es d'accord qu'on puisse prier pendant un certain temps, on va se priver l'un de l'autre. Là, d'un commun accord. Et aussi, l'homme, aussi, notre, la leçon que nous devons se comprendre, que. On doit, quand on passe sexe, on ne doit pas seulement penser à nous, mais on doit aussi penser que non, à votre tendresse, c'est pas seulement qu'on passe du temps ensemble, c'est pas nécessairement aboutir aux relations sexuelles, mais
D'abord aimer, d'abord la tendresse, les bonnes paroles, les attentions, passer aux petits détails, tout ceci c'est très important. Quoi. Oui. Ça, c'est vraiment très important. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous se retrouvent là-dedans. Alors, quelle est la deuxième attente que nous pouvons aussi donner dans le couple pour l'homme et la femme? Chez nous, l'homme, la deuxième attente que je pourrais donner, c'est le respect. C'est ça l'homme. Ah. Il veut toujours rester chef là. C'est pas comme on veut rester chef, mais c'est vraiment dans notre nature avoir le respect. Je ne sais pas chez vous quel est le. Chez nous, la femme, deuxième attente pour nous, c'est l'admiration et le respect aussi. D'avoir le mot admiration. Admiration. Donc la femme aime être admirée par son mari, tu vois. Quand je suis quand même belle, je veux. Oui, comme aujourd'hui, vraiment, tu es ravissante, mon épouse, avec ce truc. Je dis que non, je ne vais pas porter de veste aujourd'hui au plateau déguisé, je ne vais pas porter une cravate, je ne vais pas venir avec un maître papillon ou à trois pièces. Donc aujourd'hui, je vais mettre moi à l'africaine comme ma femme, parce que tu es tellement jolie. Mais c'est quand même tout que. Nos maris puissent nous admirer. Ouais. Ah, tu es belle. Des fois, tu fais des choses. Tu es belle et ton mari ne remarque même pas ça. Tu vois? Ouais. Il ne remarque pas que tu es belle. Des fois, tu as changé la coiffure. Il n'a pas remarqué. Pendant même un mois. Le voisin connaît. Il voit déjà, il te dit déjà dehors là-bas. Oh, maman, oh, tes cheveux, c'est joli. Mais ton mari à la maison, vous êtes avec lui. Un mois, tu as changé ta coiffure, il ne voit pas. Ouais. Et ça fait mal, hein? Ça fait mal à la femme. Beaucoup de messieurs ont ce problème. Oui. Soit votre habillement, soit des fois de la cuisine que tu as préparée. Tu as bien préparé. Tu as bien préparé. Tu dis aujourd'hui, mon mari là va même m'étonner, je ne sais pas quoi. Mais quand il vient, il mange, il te demande même pas merci. Et dit même pas que non, vraiment c'était bon. Soit il trouve le lit qui est bien fait, ou il y a la maison qui est propre, ou tu avais fait un travail qu'il n'aurait pas pu faire, il n'admire même pas ce qu'il fait. Donc vous avez besoin d'être valorisé. Admiré, valorisé et tout. Ça nous fait vraiment du bien. Respect aussi. Oui, tout à fait. Et donc le respect pour vous, c'est. Le respect pour nous aussi, on veut être vraiment. Être respecté, honoré. Tu vois, pas seulement à la maison. On veut être honoré à la maison, publiquement, en privé et en public aussi. Ouais, ouais, donc c'est pas seulement à la maison. Il y a d'autres même qui seulement quand ils veulent te toucher ou bien ils veulent, comme vous là, vous pensez que seulement à la sexualité. Oui, donc c'est là qu'ils commencent à dire tu es jolie, tu es comme un diamant, tu sais si c'est si. Quand il a eu ce qu'il voulait, il oublie tout ça. C'est fini. Donc il faut vraiment, à tout moment, que ce soit en public, en privé, il faut toujours admirer ta femme. Et nous, de notre côté, ma chérie, nous avons besoin du respect. C'est-à-dire qu'on veut qu'on ait cette position de chef de famille. Comme on l'avait dit la fois passée à la mission précédente, c'est que quand on veut être chef, ce n'est pas nécessairement dominer, donner des obligations, être dictateur, mais c'est être un modèle, être un serviteur. Mais on veut que vraiment, cette position en tant que je suis le chef de la famille, vous puissiez. Et beaucoup d'hommes viennent dans le mariage, on sent qu'on les a privés de cela. Ils ne sont plus le chef, c'est la femme elle-même qui veut être le chef parce que c'est elle qui a l'argent, parce que c'est elle qui a sa famille, a un nom, parce que c'est elle qui est célèbre. Et on veut enlever ce titre-là du respect. Nous, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important dans ce qu'on entend dans le couple. Quoi. Voilà. Alors maintenant, le troisième point aussi que nous voulons faire comprendre nos amis sur les attentes du couple, c'est que le troisième point pour nous, chérie, c'est un point très important, c'est la récréation. Pour nous, l'homme, la récréation. C'est encore quoi la récréation? Ouais, la récréation. Vous voulez retourner à l'école ou comment? Ouais, des fois on veut retourner à l'école. Je pense que beaucoup de gens, quand ils nous regardent à la télé, se disent ouais, qu'est-ce qu'ils veulent? La récréation encore pour aller à l'école. Mais que, comme tu le dis, tu vois, quand on parle de récréation à l'école, c'est que quelqu'un a travaillé. À un moment, ils ont besoin de récréer pour faire.
prends un bol d'air, souffle un peu. Mm-hmm. Et nous aussi, quand on est dans le mariage, on a besoin de cette récréation. Mm-hmm. Des fois, on est tellement étouffé. Mm-hmm. Prendre soin de la femme, mm-hmm. prendre soin des enfants, mm-hmm. prendre soin de la maison, prendre soin de la famille. On a des fois aussi un peu envie de prendre un bol d'air, respirer. Mm-hmm. Mais vous, les femmes, des fois, vous pensez que comme on est marié, on n'a plus le droit mm-hmm. que me promener avec mes amis. Mais la récréation, vous voulez faire avec qui? Avec ta femme ou avec tes oui. amis? Oui, la récréation, je peux le forcer avec ma femme, mm. mais des fois, c'est la femme aussi qui peut comprendre que non, il faut se laisser de force sur son mari faire des récréations mm. avec des bons amis, hein, pas des amis qui vont t'entraîner dans des erreurs, mais des fois, être avec un ami, vous partez regarder un match de foot ensemble, mm. ou soit vous partez dans un restaurant, pas pour aller vous énerver, mais boire juste un verre d'eau. Et avec des bons amis. Juste un temps, juste pour faire un ouf, là, et puis vous vous retrouvez avec ta femme, tu sais, mais on a besoin de respirer. Mais souvent, d'autres femmes, c'est que. Elle étouffe le mari. Le mari ne fait plus. Et puis le jour maintenant, oui, il va maintenant faire les choses en cache-cache. C'est à ce moment-là qu'il se retrouve avec des mauvais amis et qu'il tombe maintenant sur des amis qui trompent leur femme. Lui aussi, c'est mal, trompe aussi sa femme et tout ceci. Mais quelque chose vraiment de sain, de propre, de correct. Donner aussi du temps de fois au seul homme de pouvoir respirer un peu. Aller voir un match de foot avec ses amis, aller jouer peut-être au billard avec ses amis, avoir un petit bavardage politique avec ses amis. Mm-hmm. Et puis, il revient à ses responsabilités en tant qu'époux de son épouse. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est la même chose. Chez nous, la troisième attente, chez nous, c'est la communication. Oh. Oui, c'est la communication. Nous, la femme aime. Parler avec son mari, tu mmh. vois, on aime communiquer, parler un peu de notre avenir, faire un peu de projets ensemble et mmh. tout. Donc, on n'est pas trop bavard. Oui, hein. Donc vous, c'est seulement des fois... je veux manger, oui. je veux aller au lit, je veux ceci... Donc, on vous parle des fois, c'est seulement oui, mmh. ah, non, oui... Donc, vous ne donnez pas votre opinion. Mmh. Non, c'est seulement oui, pour que cette femme me laisse un peu. Mmh. Ah, mais nous, on a besoin de parler, que moi je parle. Toi aussi, tu donnes tes projets et tout. Mmh. La femme aime parler avec son mari. Donc, vous avez besoin, surtout que de fois, au soir, si tu es à la maison, ton mari est parti travailler toute la journée, tu as envie que quand tu rentres, la femme puisse. Communiquer avec son mari, le mari lui qu'est-ce que tu as fait au travail, qu'est-ce que tu as fait à la maison, comment ça a été pour laisser les enfants avec Mais il y a d'autres maris qui rentrent à la maison comme ça, ils mangent seulement comme ça, ils finissent de manger directement à la télé, un peu directement au lit. Donc il n'a pas même le temps de parler avec sa femme, comment ça s'est passé ici, les enfants et tout. Donc tout ça, c'est vraiment, la femme aime vraiment parler, communiquer. Wow. C'est ça que j'encourage les hommes, vraiment. Faut communiquer avec votre femme. Moi, ce que je fais souvent, c'est que avec ma femme, comme maintenant on a quand même la technologie qui est évoluée, le téléphone, je pars au travail, peut-être elle est restée à la maison, je l'appelle juste pour lui dire, chérie, comment tu t'es réveillée le matin, c'est elle qui m'appelle pour me dire comment tu es arrivée au travail. Et puis moi, je lui pose la question, ça a été pour laisser Dev à l'école? Ouais, aujourd'hui, Dev s'est réveillé facilement, mais elle a fait des caprices. On salue le petit Dev, c'est notre cadet, hein, le fils cadet. Salut Dev. Alors, donc, comment ça a été tout ceci? Et puis, quand je rentre à la maison, on parle. Mais le problème aussi, c'est. Des fois, si tu m'appelles sur WhatsApp et tout là, tu me vois comment je suis en vidéo et tout. Parce que des fois, quand tu viens aussi, des fois, tu es fatigué aussi. Ouais. Tu n'as pas le temps de me voir comment j'étais pendant la journée. Ouais. Donc, il y a des technologies maintenant, il y a WhatsApp, tu peux voir ta femme, comment elle passe sa journée, comment elle s'habille et tout. Donc, c'est très important. C'est très important pour ça, communiquer au moins. Tu sauras moins savoir ce qui est dans le cœur de ta femme, faire aussi des projets sur l'avenir, parce qu'il y a certaines femmes qui se plaignent, on est dans le mariage, mais on ne sait pas ce qu'on va faire demain, est-ce qu'on va, voyager, est-ce qu'on va acheter une maison, est-ce qu'on va faire déplacer nos enfants. Tout cela, ça commence dans la communication, et quand vous communiquez, vous avez le temps maintenant d'établir des projets sur papier et prier ensemble par rapport à ce projet et commencer à faire les choses ensemble. Donc il y a beaucoup de problèmes qui n'est-ce pas un problème de... Mais aussi le problème de communication, vous les femmes, vous aimez qu'on puisse me parler aussi, mais à quel moment, parce que des fois, certains hommes travaillent dur, du matin au soir, quand il revient, c'est là qu'il est fatigué. Toi, tu veux seulement durant la nuit, là, lui parler au lit,
Non, il faut peut-être lui parler, peut-être quand vous êtes il est encore en train de manger, là vous pouvez peut-être communiquer, il est peut-être encore réveillé, donc il faut savoir maintenant aussi à quel moment. À quel moment parler avec ton mari, hein, parce qu'il y a d'autres qui parlent mieux quand le mari mange, d'autres c'est dans la chambre, donc il faut savoir à quel moment parler. Dans la voiture. Donc, donc ça dépend du couple, hein. Moi avec toi c'est partout, quand tu es au bureau, tu m'appelles, quand tu es à la maison, mais pour d'autres couples peut-être, donc je ne sais pas comment d'autres couples fonctionnent, comment l'organisation. Oui, mais il faut seulement savoir quand est-ce que, hein, quel est le bon moment que nous pouvons parler, quoi. Et le quatrième point que je voudrais donner aussi sur les attentes du couple du côté de l'homme, c'est que l'homme attend de sa femme que la femme lui fasse confiance. On aime que la femme lui fasse confiance. Parce que les femmes, vous aimez, vous avez cette facilité de vous plaindre facilement. Vous oubliez facilement les exploits qu'on avait fait pour vous lorsque on était encore fiancés. Et maintenant, quand un problème arrive, vous rechissez. Hey, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Non, fais-moi confiance. Quand on était célibataire, on s'était battu, on avait réussi, on a pu se marier, tout ceci. Devant le problème qui est ici, je suis aussi capable de faire cela. On désire vraiment, vous nous faites confiance. Parce que si dans la rue, on ne fait pas confiance, mais au moins, chez moi, à la maison, ma femme me fait confiance, ça nous fera beaucoup de bien, chérie. Ah oui, c'est vrai. Et vous, de votre côté? Et vous, de votre côté? Oui, nous, c'est la protection. Donc, la femme aime être protégée par son mari. Oui. Donc, même si, comme je disais la fois passée, tu vois, même si dehors et tout, tu es peut-être négligé dans la famille ou bien, mais tu veux que ton homme te protège, tu vois, te protège, même quand tu fais quelque chose, une erreur et tout là. Ne fasse pas exposer ton erreur devant les gens. Devant tout le monde, tu vois. Les gens sont, tu vois ce qu'il a fait. Tu vois sa femme, ce qu'elle fait. Donc la femme aime être protégée, même s'il y avait des problèmes et tout là, vous allez régler ça avec ta femme, tu vas lui parler vraiment sérieusement, mais devant les gens, attends d'abord que les gens partent, devant les gens, tu as ta même manière. Donc protéger de manière verbale, protéger aussi de manière physique, si un intrus va attaquer ta femme, protéger aussi de manière spirituelle dans la prière, ta femme, tout ça. Donc, ce que vous avez besoin de vous sentir protégé. C'est pour ça que vous avez l'habitude quand vous sortez, tu as ton manteau, mais tu veux seulement mettre le manteau de ton mari. tu es quelque part, tu veux seulement mettre le costume de ton mari au-dessus. Vous aimez cette protection-là. Oui, oui. Voilà. Ça vous fait du bien. Voilà. C'est comme aujourd'hui, on est sorti, ma femme n'a pas pris son imperméable, elle a regardé qu'il fait beau. Moi, j'ai pris mon imperméable, je dis bon, voilà, encore de nouveau, quand il va me faire tard le soir, tu vas prendre mon imperméable, moi, je vais rester comme ça parce que je dois te protéger. Donc, les messieurs, vous avez compris que vos épouses ont besoin que vous puissiez les protéger dans tous les domaines. Et nous, vous, les femmes, vous devez comprendre que nous, les hommes, on a besoin que on se sente en confiance. Il y a des fois, il y a tant de choses qui nous arrivent, le business ne marche pas, les relations avec la famille ne marchent pas, le ministère peut-être ne marche pas, les fidèles t'ont quitté, les collaborateurs t'ont quitté, tu ne sais plus où te tourner. Mais quand tu sais que tu as quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer, tu te mets en confiance. Ah bon, même si les collaborateurs, les fidèles m'ont quitté, mais ma femme est toujours là. Je me sens encore en confiance pour continuer le ministère. Même si j'ai été licencié du boulot, mais ma femme me dit, non chérie, ça va aller, tu auras encore un travail. Je me sens en confiance que je peux encore avoir un boulot. Même si les médecins m'ont condamné, m'ont dit que non, c'est fini pour ta santé, ça ne va plus aller. Mais ta femme te dit, non, elle t'encourage, ça va, tu vas surmonter cette maladie. Je me sens confiant, je peux surmonter ce cancer. Si on te chasse au boulot. Voilà, même si, comme je dis, si on te chasse au boulot, tu te sens en confiance parce que ta femme est là. Donc, mesdames, vous jouez un grand rôle auprès de votre mari. Et vous aussi, mari, vous jouez un grand rôle auprès de votre femme. La protéger parce qu'elle est un être faible, tant physiquement que spirituellement. Amen. Alors, un cinquième point aussi que nous voulons expliquer aux gens, c'est la cinquième attente d'un homme, c'est l'homme désire avoir la paix dans son foyer.
Ça, c'est notre cinquième point. Je ne sais pas chez vous, le cinquième point, c'est nous, quoi? Nous, le cinquième point, chez nous, c'est le loisir. Le loisir. Oui, oui. Par contre, nous, le cinquième point, c'est l'appétit. Tu sais que l'Amérique vaut mieux un morceau de pain sec qu'une viande, qu'une maison remplie de viande. Oui. Et puis, l'Amérique vaut mieux habiter à l'angle du toit d'une maison. Pas au centre de la maison, mais à l'angle, c'est-à-dire que tu te mets là, je préfère que je sois au coin de l'angle du toit, mais tu as la paix. Que la paix qui est avec une femme querelleuse. Et puis on dit qu'une femme querelleuse, ça fait plus mal même qu'une caridante. Donc, ce que nous on aime, c'est avoir la paix chez nous à la maison. Et des fois, je vois des soeurs qui se plaignent, « Oh, mon mari, il rentre toujours très tard à la maison. Ou mon mari, il découche à la maison. » Mon mari, il traîne toujours dans la rue, dans les cafés. Non, comment il peut rentrer aussi si ouais, il n'a pas la paix à la maison. Voilà, aussi, ouais, c'est parce que certaines femmes, donc, des fois, certaines femmes chassent leur mari eux-mêmes parce que le mari a peur de rentrer. Oui. Il dit, ah, quand je vais rentrer encore, la femme là-bas encore commencer à me crier dessus et tout. Donc, je préfère aller. Des fois, l'homme ne va pas aussi chez les macambo, hein, comme chez nous on dit, les coquibines. Des fois, il va chez les amis seulement, ou bien chez sa mère, passer son temps là-bas parce qu'il sait que non. Chez sa mère, il est mieux, chez ses amis, il est mieux, chez ses frères, il est mieux. Mais parce dans que sa maison, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix, oui. Beaucoup de. Nous-mêmes, nous cherchons. Des tensions. On sort aussi, il n'a pas la paix, c'est qu'il trouve la maison, c'est pas que la femme lui crie, mais il n'a pas. Toi, quand tu viens chez toi, tu trouves chaque chose est à sa place. Tu vois, la télévision est propre, tu es propre. Tu as la paix du cœur, je me sens bien d'être chez moi. Mais des fois, quand tu viens chez toi, tu trouves les amis qui traînent là-bas, les enfants qui viennent. Le mari n'a plus la paix, donc toi, il se sent mieux quand il passe son temps peut-être au travail, il voit que tu es ton bon travail. Voilà, donc ça aussi, c'est, vous avez aussi ce rôle de, dans ce monde de bien parler, mais aussi d'apporter le bien-être, comme la Bible vous parle dans la femme sage. Bâtisse sa maison. Je ne sais pas si tu peux donner un commentaire encore sur cela. Oui. Une femme, comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Bâtir la maison, c'est vraiment dans beaucoup de domaines. Donc, comme mon mari vient de dire, tu rentres à la maison, c'est sale, ou bien les enfants crient, ou bien je ne sais pas quoi. Donc, c'est à toi, la femme. Moi, des fois, je sais que mon mari veut rentrer. J'ai dit, des fois aussi, quand on a des enfants, je ne dis pas que tout c'est seulement parfait. Hein? Des fois, il y a aussi des désordres, tout un peu, quand même quelque chose. Mais moi, quand des fois mon mari veut rentrer, je dis, Glory, il faut enlever, papa veut maintenant venir et tout là, il faut arranger. Ramassez-moi ça, tu vois. Une femme sage, tu sais seulement comment tu vas faire pour que quand ton mari rentre, il puisse vraiment trouver quand même le calme, la paix dans sa maison. Dans vos mots, mesdames, faites de votre maison un paradis. Quand monsieur est dehors, il a envie de courir vite pour de rentrer à la maison. Au soir, il est en voyage, il pense que je finisse juste mon voyage ici, rentrer chez moi, voir mes siens. Ça, c'est très important. Et vous avez dit que pour vous, c'est les loisirs. C'était le loisir et tout là. Oui, parce que, comme j'avais dit, on veut être des amis, quoi. Je vais faire de mon mari mon ami. Ouais. Donc, mon loisir, des fois, je vais faire avec mon mari. Je vais aller au cinéma avec mon mari. Je vais sortir un peu, aller au restaurant. Donc, la femme aime aussi vraiment faire des loisirs avec son homme et tout là. Mais des fois, nos hommes sont toujours fatigués. Ils n'ont pas le temps pour nous et tout. C'est vraiment pas bien. Quand c'est pour l'âge, ils ont du temps. Mais quand c'est pour la femme. Quand c'est pour sortir avec des amis, avec la famille, là, il n'y a pas de problème. Mais quand la femme veut aussi rester avec toi, prendre un petit moment avec toi, là, il y a des raisons aussi. Donc, à partir de jour, organisez-vous. Oui. Ayez du temps aussi d'aller, au lieu de déjeuner à la maison, vous partez de déjeuner dans un restaurant, ou soit vous allez prendre une nuit à l'hôtel, ou soit vous faites un tour en bateau, ou vous programmez un voyage pour sortir soit dans un pays lointain, ou soit dans un pays proche. En fait, je vous informe même les couples, à Ikea, il y a le déjeuner le matin, parce que j'ai fait ça avec mon mari, à Ikea. Hein? On ne paye pas grand-chose, hein?
pour déjeuner. Mais ça nous fait du bien de voir, ah, aujourd'hui, on ne va pas déjeuner ici, on va déjeuner dehors. Ah. Tu vois, ça donc, il y a plein de petits trucs que vous pouvez faire, que ce soit... que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois aux États-Unis, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire ensemble, aller pique-niquer, aller peut-être pour ceux qui sont au Congo par exemple, au Chute de l'Ekaya, pour ceux qui sont à Luanda, aller à la Praia, à la plage, pour ceux qui sont à Libreville, il y a plein de coins où de bons coins pour les Gabonais. Vous êtes en France, il y a la Tour Eiffel. Donc il y a plein des endroits où vous pouvez profiter ensemble, en couple. Investissez dans votre couple, c'est très très important. Alors le sixième point que je vais donner pour les hommes va t'étonner, chérie. Je ne sais pas si le sixième point sur vous aussi va aussi nous étonner, mais nous, le sixième point par lequel nous voulons clôturer chez nous les attentes des hommes, c'est que le sixième point, c'est que nous nous attendons chez les hommes, c'est la communication. Ah bon? Ouais, chez vous, c'était au début, mais chez nous, vraiment, c'est vers la fin que nous pensons à la communication. Ah bon? Alors, chez nous, maintenant, c'est la sexualité. Oh. Oui. Donc, quand vous dans le mariage, la sexualité, ça ne dit rien, c'est mort, on termine. Nous, c'est donc quand tu remplis tout ce que je te dis, donc, c'est la tendresse, l'admiration. Allons doucement. C'est-à-dire que pour vous, c'est pour qu'on arrive à la sexualité, il faut d'abord que je te manifeste de la tendresse. La tendresse. Donc, quand on disait la tendresse, c'est-à-dire aimer, le soin, l'attention, la proximité, les sentiments, exprimer ses sentiments te touchant, tout ceci. Et puis, tu as besoin de l'admiration, c'est-à-dire que tu voulais qu'on puisse te valoriser, tu es bien habillé, tu as bien cuisiné, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu fais, tout cela. Et tu aimes aussi que je communique avec toi, comment a été ta journée, où je te téléphone. Il y a des personnes qui passent toute la journée, là, ils téléphonent même pas sa femme. Donc tu fais quand même de temps en temps. Il y a des gens qui nous suivent, vous faites même 2 ou 3 jours, tu ne téléphones jamais à ta femme quand tu es dehors. Celle te téléphone, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Dis vite, qu'est-ce que tu veux, je suis occupé là. Donc, la femme veut que tu communiques, non seulement au téléphone, mais aussi quand tu rentres à la maison. Après, pour nous protéger. Et puis protéger la femme devant les dangers, devant ta famille, devant tes amis. Et les loisirs. Donc, faire le shopping, aller au restaurant, aller ceci. Et quand il remplit tout ça, c'est là direct. La sexualité. Oh, my God. Et là, disons. C'est pour ça qu'on se cognait de fois, on se chargeait parce que nous on allait directement dans la sexualité en oubliant tout cela et c'est pour ça qu'on est repoussé. C'est ça. Et des fois nous voulons priver de cela. Tandis que vous. Mais tandis que nous, maintenant chérie, tu vois, si tu veux que nous puissions être des gens qui parlent beaucoup, qu'on puisse être des bavardeurs, des parleurs, on a besoin de ces points-là. Tu peux t'en donner si tu as la sexualité. Donc, on a besoin de vous aimer. Ne nous privez pas. Comme tu avais dit la fois passée, donc vous êtes des voitures à l'essence. Ouais, la voiture à l'essence, quand tu démarres, tu vois, quand tu as une voiture à l'essence, tu démarres, boum, direct. Ça part. Tandis que voiture à moteur, c'est. Mais ça s'allume un peu. Tu ne peux pas pédaler. Il faut seulement que quand ça s'éteint, alors là, tu ne peux pas aller. Et vous voulez être aussi respecté. Voilà, respecté. Vous voulez qu'on ne vous étouffe pas. Donc vous voulez avant, on peut faire une réaction aussi, oui. Donc, vous voulez être confiant. Oui, que vous nous donnez la confiance. Vous avez confiance en nous et vous nous donnez la confiance. Et vous voulez la paix aussi au foyer. La paix, surtout et la c'est paix là, maintenant, vous communiquez avec nous. C'est à ce moment-là que, forcément, que je peux communiquer avec toi. Qu'est-ce que tu penses? Ceci, c'est là. Donc c'est la preuve que vraiment, dans les mariages, on se complète. Hein? Voilà. On n'est pas pareil. Dieu nous a dit. On n'est pas pareil. Vraiment. Voilà pourquoi, quand on revient dans ce texte-là, on nous dit ceci dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. On dit : et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. On n'est pas que les hommes. Les femmes sont plus fragiles. C'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas comme nous. La preuve est que physiquement, moi je n'ai pas de sang, toi tu as des seins. La preuve est que physiquement, moi j'ai la barbe, toi tu n'as pas la barbe. La preuve est que tu fais des règles, moi je ne fais pas des règles. Donc c'est déjà physiquement cette différence. C'est-à-dire que dans les autres domaines, émotionnellement, sentimentalement,
dans le raisonnement, il y a cette différence que nous devons comprendre. Mm-hmm. Et maintenant, si moi je ne sais pas comprendre tes attentes à toi, mm-hmm. j'irai toujours à côté. Je vais aller voir ça, mais je ne sais pas. Mm-hmm. Et il y a des formules, il faut d'accord. appuyer sur tel bouton. C'est et toi ça. Aussi, ce que tu attends de moi, mm-hmm. il y a des formules qu'il faut appuyer. Ah. Ouais. Mais comme nous disions, chérie, c'est que mm-hmm. ça, ce n'est pas les points standards. Que non, mm-hmm. non, c'est des points généraux où mm-hmm. beaucoup d'entre nous, en tant qu'homme, je pense que nous nous retrouvons, et je pense aussi que vous, en tant que femme, mmh. vous retrouvez aussi. Mais là où vous êtes, il y a aussi d'autres points aussi que tu peux t'asseoir avec ta femme, tu dis, ah chérie, voilà, on vient de suivre l'émission, mmh. on nous a dit les attentes ici, mmh. mais à part ces attentes-là, qu'est-ce que toi tu attends de moi? Mmh. Et ta femme va te dire, chérie, mmh. moi j'attends ceci. Et ta femme verra, je t'en aussi, il y a beaucoup et de comme aussi, moi aussi, je peux te demander, mmh. je sais pas, voilà, mmh. qu'est-ce que toi tu attends de moi, mmh. et je te rajoute ici. Mmh. Bon, comme nous, on ne va pas le dire ici, si on va dépasser les minutes, si je commence à donner la liste, on va être long. Mais ce soir à la maison, je vais aussi te dire, à part ce qu'on a mis ici, qu'est-ce que j'attends de toi. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, mais nous voulons maintenant prier avec vous. Amen. Parce qu'en tout cas, que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Mais je voulais dire, seulement, n'hésitez pas à nous écrire. Ouais. Donc, si vous avez des choses à parler ou bien à écrire et tout là, parce que des fois, c'est pas, on n'est pas parfait. Des fois, on sait qu'on fait. Des fois, d'autres choses, vous voulez rajouter, vous pouvez aussi parler, parce que des fois, on n'a pas le temps de communiquer avec vous, mais en écrivant, on va comprendre aussi vos idées, ça va nous aider aussi vraiment dans nos émissions. Alors, si vous avez quelque chose à écrire, ou bien à des suggestions, vous pouvez toujours écrire. D'accord. Et nous apprendre. Amen. Donc, comme ma femme a dit, c'est-à-dire que si vous avez des pensées, des idées, des thèmes que nous voulons, que vous désirez que nous puissions partager. Mmh. Parce qu'il y a certains thèmes, peut-être tu passes par un problème, mais tu ne sais pas à qui parler. Mmh. Peut-être dans ton église, on ne parle pas de cela. Peut-être dans ta famille, ça a été un sujet tabou. Mmh. Si tu nous le transmets, nous pouvons travailler sur ce texte-là avec d'autres personnes que nous pouvons inviter sur le plateau. Mmh. Et ça peut être édifiant. Et puis si toi aussi tu as des idées que tu voudrais aussi amener, n'hésitez pas, vous avez aussi un appel dans ce domaine-là, vous pouvez aussi prendre contact avec le ministère. Mais nous voulons, comme au début, prier d'abord pour vous, pour que ce que nous avons dit, c'est vrai que nous avons rigolé, nous avons parlé, mais nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est lui qui est le fabricateur du mariage. Ça veut dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous voulons prier à cet instant, afin que Dieu puisse aider chaque personne que nous suit, en tant qu'homme, en tant que femme, de pouvoir répondre aux attentes de son couple. Nous allons prier le Seigneur. Yahweh, nous voulons te dire encore merci pour cette parole merveilleuse que nous avons transmise à ton peuple sur les attentes dans le couple. Tu sais que chaque homme attend de sa femme dans le mariage. Et tu sais aussi que ce que chaque femme attend de son mari dans le mariage. Seigneur, laisse que ces vérités, car tu as dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que la vérité de ta parole donnée dans ses principes puisse libérer chaque couple qui nous suit aujourd'hui au nom de Jésus. Que chaque homme sache répondre à ce que Satan, sa femme, de sa part. Et que chaque femme soit répondre à ce que Satan, son mari, de sa part. Je prie, Seigneur, pour tous les couples qui ont des problèmes au niveau de la sexualité, au niveau du respect, au niveau de la confiance, Seigneur, au niveau de la paix dans le foyer, Seigneur, au niveau de la récréation, au niveau de la tendresse, de l'admiration, de la communication, Seigneur, au niveau de la protection des loisirs et de la sexualité, Seigneur, du côté de la femme, que toutes ces choses, tu puisses les libérer au nom de Jésus-Christ et qu'ils vivent l'épanouissement à chaque niveau, Seigneur. Merci pour ce que tu vas continuer encore à faire dans leur couple. Merci aussi pour tous les célibataires aussi qui nous suivent, qui désirent un jour se marier. Laisse que cet enseignement soit un équipement pour eux. Merci aussi pour tous les couples fiancés qui nous suivent, qui les aident à se préparer dans un mariage béni. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est l'émission Devant Lucas. Pour tout contact avec nous, comme d'habitude, nos coordonnées apparaissent sur le petit écran.
Vous avez notre numéro de téléphone, le 0032 488 36 92 ou 92 61 qui apparaît. Ce numéro est aussi disponible sur les réseaux sociaux comme WhatsApp et Imo. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à nous écrire, donnez-nous nos témoignages. Nous avons hâte de lire ou écouter ce que Dieu fait dans votre vie au travers de ces émissions. Et il y a aussi notre compte Facebook, vous tapez David Mapamboli et là vous avez toutes les actualités de notre ministère. Voilà chérie, nous avons été contents d'être avec vous aujourd'hui et nous nous retrouvons encore la prochaine fois, toujours dans l'émission de Valmeka, sur le canal 24 de Epibox TV sur Congo Lokolé. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui suivront cette émission via les comptes YouTube, n'hésitez pas à partager cela pour bénir aussi des amis, des proches, une famille quelque part. Nous vous aimons au nom de Jésus. Alléluia.